C'est Gilles, je reprends ma lecture de la vérité par Dieu. Question 37. Père divin, nous nous efforçons d'abandonner le caractère coléreux, mais nous n'y arrivons pas encore. Si quelqu'un nous provoque, alors nous ne pouvons nous résigner. Veuillez nous enseigner le moyen de nous changer. Réponse. Vous vous efforcez de pratiquer davantage l'exercice respiratoire pour amener l'énergie pure, réparer le corps, débloquer les cinq viscères. Lorsque les cinq éléments sont dispersés, les cinq viscères doivent être bloqués. L'énergie de l'élément feu est bloquée au niveau de votre foie. C'est pourquoi vous êtes irritable, coléreux. Ici, à propos du caractère coléreux, j'ajoute en plus pour vous guider la partie concernant la pensée qui vous aide à vous corriger. La colère est la nature de Dieu, tout comme la vôtre. J'ai déjà expliqué cela. Si vous voulez accéder à la sphère de la lucidité, vous n'aurez pas à oublier votre caractère coléreux, mais à abandonner la colère impure pour apprendre la colère pure. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici, je vais vous l'expliquer. La colère en vous, c'est la réaction par la pensée, par la parole ou par les actes répondant à l'action d'un interlocuteur. Lorsque vous êtes en proie à la colère, selon la matière de l'impur, à ce moment-là, vous réagissez en projetant des pensées lourdes, c'est-à-dire d'un flux d'énergie impure vers l'individu qui provoque la colère en vous. Vous émettez des paroles emportées. Et parfois, vous avez des actes erronés qui amènent des conséquences néfastes. Cette façon d'être en colère ne fait que vous détruire. Elle cause une mauvaise influence sur les mécanismes organiques de votre corps et les détériore plus vite. Elle vous rend impur. Et l'autre individu, plus impur encore. Sans parler des conséquences nuisibles imprévues dues aux actes manquant de lucidité lorsque vous êtes en proie à l'emportement furieux. Tout ceci va devenir une force d'inertie du karma réagissant sur vous pour retarder votre évolution. Apprenez maintenant la colère selon la manière du pur. Lorsque quelqu'un provoque la colère en vous, efforcez-vous de garder le silence. Évitez de réagir sous l'effet de l'emportement furieux. Pour vous aider à éliminer en partie l'irritabilité, vous pouvez tourner le bout de votre langue, entre parenthèses, contre la gencive interne de la mâchoire supérieure, les incisives contre les incisives, et inspirer lentement, puis expirer à fond, tout en invoquant le nom mantrique de Dieu ou de Bouddha, la pensée concentrée au centre psychique du sommet de la tête. Respirez plusieurs fois ainsi jusqu'à ce que vous sentiez votre esprit redevenir calme. À ce moment-là, vous pensez que vous entrez en union mystique avec Dieu, puis vous commencez à pratiquer la colère pure. À cet instant, vous pensez que vous êtes Dieu, et vous réagissez contre celui qui provoque la colère en vous par des pensées bonnes, en le bénissant, en lui souhaitant d'être plus lucide, plus compréhensif. Vous émettez ces pensées jusqu'à ce que vous sentiez votre intérieur redevenir pacifique. C'est là la manière la plus adéquate et la plus lucide de réagir, qui en même temps vous protège, entretient et augmente à la fois votre lucidité en vous, De plus, elle peut aussi influencer lentement l'autre individu selon la direction qui vous est favorable s'il a mal agi envers vous. C'est pourquoi la colère pure vous entretient tout en évitant la rétribution karmique et tout en vous permettant à la fois de pratiquer l'œuvre de charité pour autrui. Si vous pratiquez cette colère, tout le temps, progressivement, vous avancerez vers la lucidité jusqu'à ce que vous connaissiez vraiment la colère pure. À ce moment-là, vous aurez la conduite coléreuse de Bouddha. Car si quelqu'un met le Bouddha en colère, ce dernier réagira immédiatement en lui projetant un peu d'énergie lucide pour le tirer vers le haut. C'est pourquoi, lorsque vous connaissez vraiment la colère impure, vous vous rebellez, vous êtes obscurci et vous êtes dans l'état d'enfer. Lorsque vous connaissez vraiment la colère pure, votre âme est sereine, lucide, vous êtes à l'état du nirvana. Parvenant au rang de Dieu, vous aurez la colère impure et la colère pure en même temps. Au rang de Dieu, n'importe quel caractère, n'importe quelle nature extériorise tout aussi l'état pur et l'état impur en même temps. Comme Luang Xirang, par exemple, qui a eu la chance plusieurs fois d'expérimenter un côté parmi d'innombrables côtés de ma colère, selon la manière du pur et de l'impur en même temps, à travers le véritable corps sanctifié. Lorsque Luang Xirang est dans l'erreur, je veux dire à l'erreur à l'échelle des Bouddhas, lorsqu'à votre niveau vous devez encore apprendre cette erreur jour et nuit pour parvenir au nirvana, j'en éprouve de la colère, je le gronde en l'éduquant. Parfois je me mets en colère pour le réprimander gravement.
Mais plus je suis en colère, plus je suis en proie à la colère, et plus je le gronde sévèrement, plus il est lucide, et plus il en profite, et plus son aura se met à briller, et plus son énergie spirituelle est attirée par moi vers le haut, au-delà du niveau de la vibration de son énergie spirituelle, et je l'entraîne dans la sphère de l'extrême pureté, de l'extrême sérénité, le rendant plus lucide et plus heureux. C'est pourquoi, en regardant mon attitude à cet instant, je vois qu'il y a la colère ressemblant à celle des profanes. Mais tout en étant coléreux, j'ai quand même assez de force sublime pour attirer l'énergie spirituelle d'un individu ayant un degré d'évolution comme Long Sirang vers un niveau vibratoire d'énergie spirituelle plus élevé que son propre niveau de vibration. J'ai permis à Long Sirang d'expérimenter maintes fois ce phénomène. Il en a profité pleinement du fait qu'il possède un niveau d'évolution élevé, qu'il est exempt d'esprit profane, qu'il arrive à voir l'énergie spirituelle. Et c'est la valeur précieuse de l'énergie divine que je lui dispense pour ouvrir largement son âme et l'accueillir. Vous pouvez lui demander pour comprendre davantage ce phénomène. En ce qui concerne les individus qui ont encore l'esprit profane, l'amour propre, ou qui ne connaissent pas encore l'énergie spirituelle, dans le cas où ils sont réprimandés ainsi, ils se sentent vexés. Alors d'eux-mêmes, ils se ferment l'âme à cause de l'énergie impure résultant de cette vexation. Aussi, ne connaissant-ils pas la valeur et ne profitent-ils pas beaucoup ? C'est pourquoi, comme je descends en ce monde à travers le vénérable corps sanctifié, vous me verrez bientôt manifester tous les caractères de Dieu à l'état pur et impur en même temps, et le vénérable corps sanctifié sera terrestre et pourtant transcendant à la fois, mes enfants. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus tard.